ne le retranche pas. Déjà, à savoir qu'autour d'une table, il y a un tiers de personnes qui connaissent vraiment bien le produit, qui sont spécialistes, qui produisent, qui connaissent, voilà, qui ont une connaissance très précise sur le produit. Il y a un tiers de personnes qui le connaissent parce qu'ils l'utilisent. Donc ça peut être des restaurateurs, des personnes qui travaillent dans les grandes surfaces. Et un tiers de personnes comme vous, des consommateurs lambda, qui apprécient quand même le produit et qui viennent pour donner un jugement objectif aussi, mais tout en étant consommateur. Voilà. J'ai testé donc les rhums Martinique AOC de plus 55 degrés, les rhums blancs Martinique AOC. J'ai décidé de venir ici tout simplement parce que c'est une boisson que j'apprécie, parce que je viens moi-même d'outre-mer, enfin de Guadeloupe. Et bon, après c'est assez particulier de tester les rhums martiniquais, j'avoue, mais j'apprécie vraiment. Je voulais aussi quelque part contribuer à aider nos agriculteurs à monter en puissance, voilà, leur donner la possibilité d'avoir une vue nationale et même voire internationale. Actuellement, on a des personnes qui viennent du monde entier pour déguster nos rhums. Donc pourquoi pas y contribuer moi-même. Voilà. Très très bon. Donc c'est notre choix en médaille d'or. Qu'est-ce qui vous a fait donner envie de vous donner la médaille d'or? Les arômes, l'équilibre. C'est le 27-619. Voilà. Nous avons des typicités de goût qui ressortent. Et dans le miel tropical, il y a effectivement la faune et la flore, si je puis dire. C'est-à-dire il y a le côté fleuri, le côté boisé, le côté du terrain qui va nous apporter une saveur, une odeur et une texture qui lui correspond et qui s'apprécie pour elle.